Les enfants, cette journée d'exercice nous a tellement plu hier qu'on en redemande encore. Vous nous dérangez en plein sommeil réparateur pour nous dire ça? Allez-y, transpirez bien. Non. Écoutez-moi, c'est adorable à vous d'avoir pensé à notre santé. Ça nous a fait prendre conscience qu'on devait aussi penser à la vôtre. Loud, formez les rangs. J'ai une de ces pêches, moi, aujourd'hui. Surtout, pensez à bien vous hydrater. Ce sont des oignons infusés dans de l'eau. C'est bon pour la fonction vésicale. Pouah, ça sent comme la transpiration. Je te le fais pas dire. Vous devez être affamé. Viande pour tout le monde. Du bon jus de sang. Non, je ne parle pas de viande rouge. Très riche en protéines et pauvre en glucides. Que du bon. Vous avez besoin de force pour demain. Exact. Au programme, nage dans le lac à 6 heures, ensuite yoga Bikram et 500 pompes. Hey, c'est trop bon avec l'eau qui sent la transpiration. Allez vite, réunion. D'abord, il faut leur faire croire qu'ils ont perdu du poids. Lisa, tu vas truquer la balance. Laurie et Lenny, vous allez remplacer leur garde-robe par des vêtements plus grands. Ça alors, dire que c'est mon jean le plus moulant. Ensuite, il faut les convaincre qu'ils sont devenus plus forts. Lynn et Lana, vous peindrez sur leur poids des valeurs plus élevées. Pendant ce temps-là, dans la cuisine, Luan et Luna desserreront tous les bocaux. Oh. Je me rends plus compte de ma force. Et pour finir, pour qu'ils pensent être plus rapides, Lucie, tu vas reculer les aiguilles de la pendule. Ouh, on a couru plus de 8 km en à peine 10 minutes. Quel soulagement que le cauchemar des exercices soit terminé. Il ne reste plus que le cauchemar du pantalon en cuir et du maillot de bain. Je te tire mon chapeau, Lincoln. Ton plan d'enfer a cartonné. Eh oui, c'est pour ça qu'on m'appelle l'as du bon plan. Tiens. Un mot de papa et maman. Les enfants, comme nous sommes maintenant en pleine forme, nous avons décidé de participer au ninja royal de l'ultra extrême. À ce soir, avec la coupe en poche. Psst, l'as du bon plan, tu parles. Ils sont tous sauf prêts pour cette compétition. Vous imaginez un peu ce qui va leur arriver? Empêcher. À l'aide! Papa, maman, tenez bon, on arrive! Mais qu'est-ce que vous faites là? On vient vous éviter une catastrophe! Ouais, tout est notre faute. On vous a fait croire que vous étiez en meilleure forme que vous l'êtes vraiment. Avec vos exercices. Vous allez sûrement exercer votre droit de punition sur nous. Elle est bonne, hein? Dites, blague à part, vous allez nous punir? Oh, voyons les enfants, pas du tout. Mais pourquoi vous nous avez poussés à faire de l'exercice? On voulait seulement que vous soyez en bonne santé pour vivre vieux et rester longtemps avec nous. Je veux pas casser l'ambiance, mais je suis pas sûre que la barre de ce trapèze puisse supporter... Voilà, ça c'est de l'exercice comme je l'aime. Allez les enfants, on s'active un peu. Chérie, on a dit que maintenant on pratiquait en douceur. Mais le marchand de glace va partir.